nous allons nous intéresser à l'une des fonctions non engagées de la poésie, c'est-à-dire le lyrisme personnel. Qu'est-ce que le lyrisme? Le lyrisme, c'est l'expression des sentiments personnels. Le poète raconte sa vie dans le but de la partager avec ses lecteurs, c'est-à-dire le lectorat. On l'appelle aussi les émois du cœur. Là, le poète, en racontant sa vie, il faut comprendre que tantôt il est mélancolique, tantôt il est enthousiaste. Alors, qu'est-ce que la mélancolie? C'est la mélancolie, c'est quand tout tend vers la déception. Et pourquoi cette déception? Parce que le poète se déchire.